Salut tout le monde, bienvenue à ce 9e vidéo sur le jeu Bayonetta et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, on va parler du déplacement des unités. Alors, quand vous utilisez les OP, les points d'action de votre carte, une des choses que vous allez faire le plus souvent, étant donné que c'est quand même un wargame, c'est de déplacer des unités. Fait que c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Fait que je vous rappelle, on a parlé un peu là, que le type d'OP que vous utilisez là, va déterminer quel type d'unité vous allez pouvoir activer. Fait qu'avec un OP indien, vous êtes pogné pour activer seulement une unité indienne ou plusieurs unités indiennes qui sont sur la même case, mais ces unités indiennes-là doivent appartenir à la même nation. Fait que ça veut dire qu'au minimum, il va falloir que les Iroquois ou les Cherokees, là, qui sont les deux nations indiennes là, dans leur territoire protégé ici, là, ait été activé. Si jamais, par exemple, vous avez deux Iroquois ici, mais avec un OP indien, là, vous pouvez activer puis déplacer les deux. Sinon, le OP indien léger est quand même assez limité. Avec un OP léger, que ce soit français ou britannique, vous pouvez utiliser autant d'unités légères que vous voulez qui sont sur la même space. Vous n'êtes jamais obligé d'activer toutes les unités qui sont sur une space. Vous pouvez toujours en activer seulement une partie. Pas en laisser d'autres qui vont glander sur la space d'origine, mais avec un OP léger, vous pouvez activer uniquement des unités légères. Fait que si c'est un OP léger français, même s'il y a des unités légères françaises qui sont stackées avec des unités indiennes françaises, vous pourriez activer tout ce moton-là, puis partir. Puis au niveau du déplacement, c'est sûr que l'OP qui est le plus flexible, c'est l'OP d'armée, c'est le carré qui lui vous permet d'activer n'importe quel type d'unité qui se trouvent sur la même case, puis de les déplacer. Fait que c'est certain que si vous visez faire un déplacement là, avec comme on dit, là, un tapon d'unités diverses comme celle-là, avec de l'artillerie, des unités légères, des brigades, puis tout le kit, là, ben, vous êtes pas mal mieux avec le AP d'armée. On va beaucoup regarder dans cette vidéo-là cette espèce de petite tête de jeu intégrée à même le board qui dit pas mal d'affaires, essentiellement. Là. Fait que il n'y a que les unités légères qui ont trois points de mouvement. Là. MP, c'est Movement Point, c'est Point de mouvement, c'est un classique. Fait que les unités légères ont trois points de mouvement. Tous les autres types d'unités ont seulement deux points de mouvement. Puis vous aurez deviné là, que dans un système point-to-point comme celui-là, là, un point de mouvement permet à une unité de bouger d'une space à l'autre. Fait qu'avec trois points de mouvement, là, c'est assez facile à retenir. Dans la vidéo des raids, les unités légères pouvaient aller raider à trois spaces de distance. C'est pas pour rien. C'est parce qu'elles ont, dans le fond, trois points de mouvement. Même si le raid n'est pas un mouvement comme tel, c'est cohérent par rapport à ça. La valeur doublée qui est ici, c'est si vous utilisez justement des AP avec le 2X à l'intérieur. Ces AP-là vont doubler la valeur de mouvement des unités en question, ce qui peut être toute une surprise pour l'adversaire, parce que bon, même des gros stacks qui normalement sont lentes là, avec toutes sortes d'affaires qui bougent seulement de 2 vont se mettre à bouger à 4 et des unités légères vont être capables de bouger jusqu'à 6 spaces de distance, ce qui est quand même incroyable. Même les flottes, je le rappelle, les flottes peuvent bouger avec ces OP-là. On va voir dans une prochaine vidéo comment les flottes peuvent sailer, là, vraiment partir en mer, puis même transporter des unités pour débarquer à quelque part, là. Mais les flottes peuvent toujours aussi décider là, de suivre ce qu'on appelle là, les connexions côtières, là, qui sont celles qui ont du bleu là, sur les côtés, là. Puis les flottes, là, tant qu'à ça, là, peuvent même utiliser là, les sentiers côtiers comme ça ici, qui normalement peuvent être utilisés seulement par les unités légères, là. Mais comme j'ai dit dans une autre vidéo, thématiquement, là, les bateaux ne sont pas sur la terre ferme, là, ils longent la côte en compagnie là, des armées qui, eux autres, marchent sur la terre le long de la côte. Là. Fait qu'évidemment, les types de connexions, c'est important aussi. On va commencer par la plus restrictive de la gang, là, les sentiers, donc les fameux pointillés, ne peuvent être empruntés que par les unités légères, à l'exception des sentiers côtiers, comme on a ici, là, qui peuvent être empruntés aussi par les flottes, qui, je le rappelle, vont longer la côte à ce moment-là. Ensuite, on a l'autre extrême, là, les highways, les autoroutes, là, vraiment, là, les voies civilisées, là, le plus couramment utilisées, là, que ça, n'importe qui peut se promener là-dessus. Puis évidemment, une highway qui est côtière, bien, même les flottes peuvent se promener officiellement en suivant ça.
Puis on a un entre-deux là, sur lequel on va revenir dans le prochain vidéo quand on va parler de l'action de construction, là. Mais les sentiers peuvent être convertis en route par des brigades là, à grands coups de construction, là. Puis une fois que la route est établie, elle reste là jusqu'à la fin de la game, là. Puis ça transforme un sentier qui normalement pouvait être utilisé seulement par des unités légères, par une connexion qui peut être utilisée par tout le monde, mais avec certaines restrictions, comme c'est écrit ici, là, seulement une artillerie à la fois peut passer sur une route, là. Puis le nombre maximum d'unités aussi qui peut utiliser une route dans une ronde d'action est plus bas qu'un highway. C'est d'ailleurs l'autre chose qu'il faut parler, là, le nombre d'unités maximum ici, donc c'est par action round, ou on peut le voir par carte si on veut, là. Fait que c'est le nombre maximum d'unités d'une même faction qui peut emprunter cette connexion-là dans un action round. C'est très rare que ça va entrer en jeu. Évidemment, Marc a fait ça là, pour éviter comme on dit, là, des exploits, c'est-à-dire des gens qui auraient une stag de la mort avec 25 unités, puis on avance comme un bulldozer, là, pour mettre un peu de réaliste, que même dans le time frame du jeu, c'était comme irréaliste qu'autant d'unités voyagent en même temps via certaines connexions. Bon, les sentiers, ça peut paraître la connexion la plus limitée, mais en même temps, il y a seulement les unités légères qui peuvent utiliser un sentier. Fait que même la limite de 4, c'est rare que vous allez l'atteindre. C'est sûr, c'est un peu extrême au début de la game. C'est rare qu'il y ait plus que 2 unités sur la même space. Fait que même si vous activez ces 2 unités-là avec un OP léger, puis vous décidez, par exemple, bon, de vous en venir ici, bien évidemment, vous n'êtes même pas proche là, de la limite de connexion. Là. Vous pourriez avoir encore 2 unités françaises qui pourraient utiliser ce même sentier-là. Fait qu'en plus, les unités qui raid ne comptent pas par rapport aux limites. Les flottes ne comptent pas par rapport aux limites, puisqu'au risque de me répéter, ils longent la côte. Les flottes longent la côte plutôt que d'être sur le sentier comme tel. Les commandants ne comptent pas non plus. Dans cette limite-là. Fait que franchement, là, il n'y a pas. Qu'est-ce qui reste, tata? Puis évidemment, c'est pour une faction. Fait que même si, par exemple, bon. Ouais, c'est un peu fucké, là, mais je veux dire, même si les Français, même si 2 unités français utilisaient cette connexion-là, puis dans la même action round pour une raison X, 2 unités britanniques viendraient utiliser, ou 3 unités britanniques voudraient utiliser ce sentier-là, ils pourraient. Okay, il y a 2 unités françaises d'un bord, 3 unités britanniques de l'autre bord, c'est correct. La limite ici de connexion, là, elle est par faction et par action round. C'est très éphémère. Là. Dès qu'on défausse les cartes puis qu'on reprend là, le processus d'action round, là, de choisir entre votre carte puis la réserve puis de la jouer, là, ces limites-là sont resettées à zéro pour les deux camps puis on repart. Vraiment, là, si jamais, me le direz, si jamais à un moment donné, vous avez plus que 16 unités. Sur un highway, bon, sur une route à la limite, c'est peut-être celle-là qui va le plus entrer en jeu, là. Parce que bon, quand on bâtit des routes, là, c'est parce qu'on veut quand même rentrer là-dedans avec des brigades, puis avec des artilleries, puis du stock de même. Ça, des fois, on arrive avec une stack qui est quand même pas pire, là. Fait que la limite de 8 sur les routes, peut-être, mais l'autre, disons que les deux autres, c'est assez rare que ça rentre en jeu, là. Fait que, ouais, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah oui, l'OP léger. Si vous utilisez un OP léger vraiment de votre faction, là, donc français ou britannique, j'ai dit vous activez uniquement des unités légères sur une space. Ces unités légères-là peuvent amener un et un seul commandant avec eux autres. Le hic, le commandant, lui, ne se salit pas les bottines dans un sentier. Donc, le commandant, même s'il est activé en compagnie, fait que si j'avais un commandant, par exemple, ici, là, avec notre ami Bois-Hébert et les Micmacs, je pourrais l'activer avec un OP léger, là, en même temps que les 2 unités légères, là. Par contre, le commandant, lui, ne pourrait pas se déplacer sur le sentier, là. Et pour ceux qui s'indignent, puis qui disent comment ça, le commandant, tatata, là, ben, comme Marc m'expliquait à moi-même, nous, on voit un jeton de commandant là, avec Lévis, Montcalm, puis on imagine une seule personne, là, mais les commandants à l'époque se déplaçaient entre guillemets avec leur entourage, là, puis toutes sortes de choses, là, fait que. Oui, le commandant pourra peut-être se forcer puis marcher dans le sentier, là, mais bon, tout son entourage noble ne se salit pas les bottines à l'intérieur d'un sentier. Bon, les limites de connexion, on en a parlé. Évidemment, les forts et les bastions sont immobiles. Alors, de grâce, n'essayez pas de les déplacer. Les bastions sont immobiles
Et les forts aussi sont immobiles. D'ailleurs, ça c'est toujours, puis je trouve tout le temps ça bien fait quand quelqu'un fait ça dans Vassal. Bravo à Kevin Conway, là. Mais vous aurez remarqué que les unités ne stackent pas avec les forts. En tout cas, c'est un peu technique dans Vassal, là. Mais tu sais, même si je prends cette unité-là, vous voyez qu'elle ne colle pas sur le fort. Puis je peux la prendre n'importe quand, puis la bouger, puis je ne traîne pas le fort avec elle, là. Fait que trop souvent, des modules, les gens vont designer ces pièces-là immobiles comme étant des unités parmi tant d'autres. Là. Puis là, ils se retrouvent tout le temps dans notre moton d'unité quand on arrive pour les déplacer. Là, puis là, on dit, oh, Chris, j'ai bougé le fort avec les autres. Puis là, on le recule. Mais Kevin Conway a fait les choses proprement. J'en ai déjà parlé, si jamais vous avez le front et l'audace d'utiliser les sentiers ici noirs et de pénétrer à l'intérieur d'une nation indienne qui est encore neutre, ben vous allez donner le contrôle de cette nation indienne-là à votre adversaire. Et ça se fait instantanément. Là. T'sais, si jamais le Britannique, par exemple, prend cette unité-là, se déplace ici, puis après ça annonce son intention de s'en venir ici, là, ben on arrête vraiment l'unité à mi-chemin. On va venir rendre les Iroquois ne seront plus neutres maintenant, là, vont être alliés avec le français. Et on va venir mettre les trois unités Iroquois. Je peux même forcer puis les prendre. On va venir prendre les trois unités Iroquois, puis on va venir en mettre une sur chacun des villages de la nation en question. Et ça interrompt carrément le mouvement, ce qui fait que oui, il y aura combat entre Armstrong et une unité iroquoise. Là. Fait que, t'sais, c'est pas une surprise, là. En tout cas, en théorie, le Britannique savait ce qu'il faisait en s'en venant là, mais c'est pour ça que, bon, tant qu'à piétiner, piétiner pour la peine, puis amener du monde, là, parce qu'au minimum, vous savez que vous allez vous frotter à une unité indienne là, qui va se retrouver là. Puis il y a aussi des événements, fait que là, vous allez dire, bon, jamais personne va piétiner ça, c'est vrai dans la majorité des games, mais il y a aussi des événements sous certaines conditions qui vont donner le contrôle là, des Iroquois ou des Cherokees à une faction ou à une autre. Fait que, en attendant, ben, ça sert un peu de buffer, si on veut, là, ou de zone un peu exclue que tout le monde contourne là, pour éviter là, de provoquer leur colère. Parce qu'une fois que la nation est alliée avec une faction, là, elle va rester alliée à cette faction-là jusqu'à la fin de la game. Ce qui n'empêche pas le Britannique, dans ce cas-là, de rentrer et d'aller piétiner ces villages-là, puis d'éliminer ces units indiennes-là. Mais les Iroquois, concrètement, là, ils vont rester alliés aux Français jusqu'à la fin de la game. Ils ont fait leur lit, comme on dit, là, puis ils ne changeront pas d'idée. Autrement, si vous vous déplacez sur des outposts, rappelez-vous la vidéo où on décrivait la map, là, si vous vous déplacez sur des outposts ennemis, vous prenez automatiquement le contrôle de cet outpost-là. Un outpost, s'il n'y a pas d'unité ennemie, c'est sans défense. Puis vous allez venir mettre un marqueur là, de votre faction. Ça n'arrête pas votre déplacement. Vous pouvez continuer de vous déplacer encore. Là, fait que les villages indiens puis les outposts, par défaut, c'est sans défense. S'il n'y a pas d'unités qui sont là, vous passez dessus, vous en prenez le contrôle. Par contre, ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle les settled space, les spaces colonisés ou civilisés, je ne sais pas trop. Je rappelle que là, la milice veille au grain. Fait que ma même unité britannique qui est ici, puis qui pense qu'elle peut aller en côte du sud, puis juste en prendre le contrôle automatiquement, ce n'est pas le cas. Il va y avoir bataille à ce moment-là entre la brigade britannique et les deux milices françaises qui sont là. On va voir la vidéo sur des combats à terme, là. Mais pour dire que toutes les settled space là, ont toutes une, je ne sais pas s'il y en a, ouais, y en a qui ont une, deux ou trois milices qui les protègent. Okay? Fait que ça ne veut pas dire que le Britannique ne peut pas en prendre contrôle, mais ça veut dire qu'il va y avoir un combat, puis à l'issue du combat, on va déterminer qui a gagné. Puis là, si effectivement le Britannique a gagné, c'est beau, il va pouvoir en prendre le contrôle. À noter que, pour la même raison, j'en ai déjà parlé un petit peu, si le Britannique a conquis la côte du sud, puis il décide après ça, puis là je le sais que la brigade ne peut pas se promener sur un sentier, là, vous aurez deviné que je prends des petits raccourcis là, pour montrer les exemples, mais bref, si la brigade ici, si la dernière unité britannique décide de quitter la côte du sud, bien la milice reprend le contrôle de la space. Okay? Fait que la milice, elle ne disparaît jamais vraiment complètement, elle est comme... Si on veut là, supprimer, su, 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 suppresser, ou en tout cas, elle est comme, tu sais là, elle est,
les soubises, là, le temps que les Britanniques sont présents là. Mais une fois le chat parti, les souris dansent, la milice dit « Christ, le Britannique est parti », on se soulève et on reprend le contrôle de la space. Donc, vous devez toujours, dans une « settled space », si vous voulez en garder le contrôle, vous devez toujours garder au moins une unité dans la space, là, sinon la milice va vraiment là, se révolter, là, si on veut, puis reprendre le contrôle de la space. Puis si jamais, là, bon, cette Côte du Sud ne vaut pas de point de victoire, là, mais il existe des Settled Space. Bon, on va prendre par exemple le Français qui s'en viendrait à Northfield, puis qui aurait pris le contrôle de Northfield. C'est une space comme entourée en jaune, là, fait que ça donne 2 points de victoire aux Français. Le Français pourrait prendre le contrôle de ça. Mais le jour où le Français décide de s'en aller, il y a de la milice ici, c'est une Settled Space. Le Britannique reprend le contrôle. Le Britannique regagne ses 2 points de victoire à ce moment-là, là. Une stack activée pour un déplacement ne peut pas splitter. OK? Fait que vous ne pourriez pas, par exemple, activer avec un seul OP, activer ce gros moton-là, puis décider d'envoyer une coupe d'unités légères ici, puis une coupe de brigade ici, puis une coupe d'artillerie ici, là. Donc, les unités qui sont activées par le même OP restent groupées pendant tout le long de leur déplacement. Fait que si vous voulez faire des genres de splits comme ça, vous pouvez dans le même action round, mais ça va vous coûter un OP. Pour chaque unité que vous envoyez dans des directions différentes. Sinon, par défaut, quand vous prenez un AP pour activer des unités, là, comme je disais, elles se suivent. Par contre, elles peuvent ramasser du monde en chemin et elles peuvent dropper du monde en chemin. Okay? Fait que, par exemple, là, si j'avais activé, on va dire, avec même un AP léger, si j'avais activé juste cette unité-là, puis que j'avais eu, par exemple, eux autres qui étaient ici, là, j'aurais pu dire, bon, ben, je fais un, après ça, je ramasse mes copains qui sont là, puis je fais deux, puis je pourrais faire trois aussi. Les unités qui sont ramassées comptent leur déplacement à partir de la space d'origine. Donc, dans ce cas-là, tout le monde compte son déplacement comme s'il avait parti de Québec. Fait que même si j'avais 2 unités légères qui étaient ici, là, en les ramassant, là, je ne peux pas commencer à compter leurs points de mouvement à partir d'ici, puis les faire aller encore plus loin, là. Donc, tout ce beau monde-là vont compter leurs points de mouvement comme s'ils étaient partis de Québec, là, pour éviter des espèces de chaînes sans fin, où est-ce que vous continuez de ramasser du monde, là, puis finalement, vous traversez la map au complet, là. Donc, là, pendant la dépense de ce AP-là, là, c'est comme si tout le monde était parti de Québec. Fait que même mes 2 unités, là, qui étaient à l'origine ici. Ou en fait, je n'avais rien qu'une. J'avais juste une unité indienne qui était là, là. Fait que même l'unité indienne qui est ici, si je prends un AP pour activer là, cette unité légère-là, puis que je l'amène ici, puis que je décide de ramasser cette unité-là, elle peut suivre, elle peut s'en venir. Mais là, ils sont rendus à 2 points de déplacement ici, les deux, puis ils sont rendus à 3 points de déplacement ici, les deux, comme s'ils étaient partis de Québec. Faites attention aussi au type de AP, là. Fait que, par exemple, bon, je cherche. Je pourrais bien faire ça, bien que mettre une brigade ici, là. Fait que même scénario, je prends un OP léger pour activer lui qui est à Québec, puis je décide de l'amener ici. Bien, il ne peut pas ramasser la brigade parce que c'est un OP léger que j'ai utilisé. Fait qu'il faut que je me rappelle du type de AP que j'ai utilisé, là. C'est pas parce que soudainement je rencontre une brigade. Ah, viens, suis-moi. On va aller plus loin, là. Je pourrais le faire si j'avais utilisé un OP d'armée, le carré. Mais là, si j'ai utilisé un OP triangulaire français, là, je ne peux pas soudainement ramasser la brigade parce qu'elle est sur mon chemin, là. Fait que oui, vous pouvez dropper du monde. Oui, vous pouvez ramasser du monde. Faites juste attention à votre type de OP, puis comptez toujours vos points de mouvement selon la source originale, si on veut. Les commandants peuvent se déplacer. Typiquement, ils vont se déplacer avec des stacks. Les commandants ont une valeur de mouvement de 2. Ils sont représentés par le symbole qui est ici. Ils peuvent utiliser les highways et les routes. Ils ne peuvent pas utiliser les sentiers, comme je disais tantôt. Un commandant, là, à la fin, d'un action round, ne doit jamais être seul sur sa case. Okay? Fait que, oui, vous pouvez bouger un commandant tout seul avec un AP, là, mais il peut juste passer sur des spaces qui sont friendly, là. Puis il ne doit pas croiser d'ennemis. Puis à la fin de son déplacement, il doit vraiment être avec ses amis. Là, sinon, on le retire du jeu, là. Donc, les commandants sont vraiment faits pour accompagner les unités, là, et non pas partir en Rambo tout seul sur la map, là. Bon, évidemment, là, c'est là que le fun commence. Si vous entrez en contact avec des unités ennemies, il y aura combat, il y aura bataille.
Sûrement que notre ami, oui, le Battle Marker, sûrement que notre ami Kevin a automatisé ça. Fait qu'il y a des petits marqueurs juste pour vous rappeler, là, t'sais, il y aura une bataille ici. Fait que si vous avez des unités des deux factions qui se retrouvent dans la même space, vous mettez un Battle Marker. Puis comme je disais là, dans le vidéo, je pense, de la séquence de jeu, là, on ne résout pas les batailles immédiatement. On va finir toute la dépense des AP, puis les déplacements de tout le monde, puis on va flober toutes les AP sur les cartes, puis après ça, on va faire les batailles là, en ordre de haut en bas. La seule exception qui vous permet de continuer de bouger, ça, c'est vraiment pas le choix de faire ça dans n'importe quel jeu point to point là, pour éviter des espèces de stratégies un peu cheesy, là, où est-ce qu'on bloque le déplacement d'une stack juste avec une unité. Fait que, t'sais, imaginez si, bon, t'sais, si j'avais par exemple là, cette pauvre unité française ici qui est là, là puis j'ai cette espèce de stack de la mort qui est là, là. Fait que, t'sais, ça serait un peu poche que cette grosse stack monstrueuse et gigantesque là, dépense son premier point de mouvement. Et soit obligé d'arrêter à cause de cette pauvre unité légère française-là qui va probablement se faire complètement éclater par l'arrivée de ce stag de la mort-là. Là. Fait que pour tenir compte de ça, il y a une règle qu'on appelle là, le surnombre, le outnumber. Le terme technique, c'est outnumber. Donc, si vous arrivez dans une space puis vous êtes en surnombre de plus de 3 pour 1, donc là, vous comptez vraiment le nombre d'unités parce qu'il n'y a pas de valeur de force, je rappelle, dans le jeu. Vous comptez strictement le nombre d'unités. Fait que si on l'a comme en crise, là, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, ici c'est un 10 pour 1, là. Donc on est au-dessus du 3 pour 1, donc on est en situation de surnombre. Ça, c'est la première chose, première règle, outnumber est rencontré. Puis si on est en situation de surnombre lors d'un déplacement, là on peut faire ce qu'on appelle un overwhelm. Donc c'est le terme technique, là. Donc on renverse l'ennemi, ou je sais pas trop comment traduire overwhelm, mais là vraiment, là, t'sais, c'est comme tasse-toi d'un jambe, autrement dit, là. Alors, concrètement, dans une situation comme ça, l'unité légère française doit retraiter avec les mêmes règles de retraite qu'on va voir plus tard quand on va couvrir les combats, là. Donc, l'unité française doit retraiter comme si elle avait perdu le combat essentiellement, là, et la grosse stack continue de se déplacer. C'est ça le but de cette règle-là. Fait qu'elle pourrait décider de s'en aller ici, ou elle pourrait décider de s'en aller ici. Puis bon, admettons que c'était une autre highway qui était là, parce que là, je le sais que c'est un sentier, là. Mais ce gros stack de la mort-là pourrait poursuivre. Si on disait qu'il y avait 10 unités dessus, c'est encore une situation d'overwhelm. 10 contre 2, là, ça fait du 5 pour 1. Je suis au-dessus du 3 pour 1. À noter que 3 pour 1, c'est pas bon. Il faut être au-dessus de 3 pour 1 pour être en surnombre. Donc là, je serais encore en surnombre. Eux autres se pousseraient encore ici, puis je serais là. Autrement dit, vous ne pouvez pas arrêter une grosse stack juste avec, comme on dit, là, des speed bumps ou des petits roadblocks, là, juste des petites unités qui sont là, là, juste pour être sacrifiées puis ralentir la progression de l'ennemi à travers les terres. Les forts et les bastions préviennent le surnombre, par exemple. Ma même petite unité qui était ici, là, supposons qu'il y avait eu, où était-il? Il n'y avait pas un fort français quelque part, là. On va faire le contraire. D'abord, donc, petite unité ici, petite unité britannique avec un fort qui est là. Puis encore là, supposons que c'est un highway qui est ici. Puis là, le français arrive avec un gros tas de monde qui est là. Bien, le français, quand même, là, est en situation de surnombre. Là, t'sais, même si on compte le fort comme étant une unité, là, j'arrive là avec 8 unités par rapport à 2. Je suis en situation de surnombre, mais le fort prévient. Le surnombre et prévient le overwhelm, même affaire avec les bastions. Donc, vous ne pouvez pas être renversé ou être overwhelmé tant que vous êtes dans une space avec un fort ou avec un bastion. À noter que la milice compte dans le calcul du overwhelm et du outnumber. Fait qu'encore là, par exemple, fait que j'arrive avec mes 8 unités ici. Puis j'ai une unité britannique qui est là. Fait que là, j'ai l'impression de faire un overwhelm parce que j'arrive avec 8 unités contre 1. Fait que là, je suis dans un ratio de 8 pour 1. Mais non, le britannique peut compter sa milice pour les fins de ce calcul-là. Donc en fait, c'est 8 contre 3. Donc je n'ai pas supérieur à 3 pour 1 comme ratio. Alors on n'est pas en situation d'overwhelm. On va se battre dans ce scénario-là. On mettrait un battle marker. Puis on résoudrait la bataille là, dans le timing, en temps et lieu. Là.
C'est le même principe. Vous ne pouvez pas quitter une space s'il y a des ennemis qui sont sur vous autres. Vous ne pouvez pas tout simplement, là, même si vous jouez en deuxième, décider, bon, ben moi, vu que tu as bougé ici, ben mes unités, ils ont peur, puis ils s'en vont, là. Donc, vraiment, là, une fois qu'on clash, puis une fois qu'on est ensemble, on ne peut pas quitter, à moins, encore une fois, que vous soyez en surnombre. Fait que c'est un peu le même principe, finalement. Même si j'avais un tapon d'unité ici, britannique, encore là, ce serait facile pour le français de dire, haha. Je joue en premier, je vais déplacer ma petite unité légère ici, et là on va mettre un marqueur de combat, puis on va être obligé de se battre et tu ne peux plus quitter la space. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Le gros tas d'unités là, s'ils veulent éviter la mouche, là, la petite mouche qui le tourne autour de la tête, la petite mouche fatigante qui le tourne autour de la tête, là, qui est l'unité légère qui est là, là quand ça va être leur tour, eux autres peuvent décider de quitter parce qu'ils sont en situation de surnombre, ils sont à plus que 3 pour 1 par rapport à l'unité légère française. L'autre truc, parce qu'après tout, c'est pas mal considéré comme un siège, fait que le Britannique peut toujours décider de quitter une forteresse. Fait que quand le Britannique débarque à une forteresse, là, concrètement, même si c'est géré à sa façon dans le jeu, c'est considéré un siège. Là, on assume dans ce cas-là que Louisbourg est en situation de siège, puis que les défenseurs sont terrés derrière les murs de Louisbourg. Et puis souvent, le siège va prendre plusieurs action rounds, là, comme on va voir dans les vidéos sur les batailles, là. Fait que tout ça pour dire que rien ne retient le Britannique ici. Le Britannique pourrait décider de quitter à pied ou pourrait même décider de sailer puis de s'en aller de Louisbourg. À ce moment-là, les Français lui font bye-bye de derrière les murs, là. Mais rien ne force le Britannique à rester là jusqu'à temps que la bataille se termine. Si jamais ça commence à un peu mal tourner à son goût, il peut décider, comme je disais, là, de quitter, là. À noter que dans l'outnumber, on ne compte pas les commandants. Donc, on compte toutes les unités, on compte la milice, mais on ne compte pas les commandants. Si vous avez des unités qui sont réduites, donc reduced, là, qui sont du côté de la tache de sang, là, ils comptent quand même comme une unité complète dans ce calcul-là. Oui, ils sont maganés, là, mais ils comptent quand même comme une unité complète. Là. Il n'y a pas d'histoire d'eux autres comptent comme une demi, puis il faut faire la somme, puis tout le kit. Là, encore là, on se bardera pas de calcul pointilleux là-dedans. Là, on compte le nombre d'unités d'un côté, le nombre d'unités de bord. Est-ce qu'on est à plus que 3 pour 1? Si oui, on est en situation de surnombre. Voilà, next up. On va terminer tout ce qu'on peut faire avec des OP. On va parler de sail, donc comment on peut là, naviguer là, puis transporter des unités. Puis on va parler des actions de construction, construire des forteresses, puis construire des routes. Puis on va parler d'une action spéciale là, qui s'appelle Marshall Troops là, pour regrouper les troupes à un même endroit. Puis ça va clore tout ce qu'on peut faire avec les action points. Et ce sera le moment tant attendu de couvrir les batailles. Donc, manquez pas la suite. À plus.